avec ses 380 policiers, 140 agents de surveillance de la voie publique, 220 papy et mamie trafic, 80 personnels administratifs, la police municipale de Nice est la première police municipale de France. Souvent armés, les policiers municipaux suivent aujourd'hui une formation exigeante. Les technologies modernes comme la vidéoprotection et la géolocalisation sont également devenues indispensables. À partir des 9 postes de police implantés dans tous les quartiers de la ville, dont 5 inaugurés en 3 ans, nos policiers assurent une présence quotidienne et permanente sur la voie publique, au contact direct des habitants. Orientée vers la prévention et placée sous l'autorité du maire, la police municipale est chargée d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publique. Avec les unités de roulement de jour et de nuit et les îlotiers, la proximité quasi permanente avec la population est assurée, tandis qu'une présence renforcée sur tout le territoire de la commune garantit à nos concitoyens et à nos visiteurs les meilleures conditions de tranquillité et de sécurité. Soucieuse de s'adapter à chaque type de mission, la police municipale déploie plusieurs brigades spécialisées. Trouver leur propriétaire. La brigade verte, créée par Christian Estrosi, chargée de la protection du cadre de vie et de l'environnement, lutte contre les insalubrités et les atteintes à la propreté. La sécurité dans les transports en commun et le tramway est essentielle pour que tous les Niçois et les nombreux touristes qui visitent notre ville puissent se déplacer en toute sérénité. La brigade équestre, créée en mars 2010, couvre les espaces verts, les parcs et jardins de la ville, mais aussi les zones piétonnes. La brigade cynophile intervient de jour comme de nuit en appui des autres unités. La brigade motocycliste participe activement à la sécurité routière en s'assurant du respect du code de la route, de la circulation et lutte contre le bruit des deux roues. Gagner en efficacité, la brigade VTT Segway permet d'intervenir en tout lieu. Rapide et silencieuse, elle procède à de nombreuses interpellations en flagrant délit. «
Les 8000 places de stationnement payant sont contrôlées par les 140 ASVP qui s'assurent aussi de la propreté des espaces et voies publiques et sont présents dans tous les quartiers de la ville. La brigade nautique est opérationnelle toute l'année. Mais du 15 juin au 15 septembre, la surveillance des plages est quotidienne jusqu'à 19h. Elle exerce les pouvoirs de police du maire dans la bande des 300 mètres, tout en étant intégrée au dispositif général de sécurité de la baignade, piloté par les sapeurs-pompiers. La brigade de prévention en milieu scolaire a formé depuis 2008 plus de 20 000 enfants à la sécurité et sensibilise les CM2 aux dangers liés à la délinquance avant l'entrée au collège. Depuis mars 2010, un CSU ultra-moderne qui gère 624 caméras 24 heures sur 24 a permis plus de 340 interpellations en flagrant délit. L'individu est placé Garibaldi. Il prend la direction de la fontaine. Oui, c'est bien reçu. Donc, interpellation effectuée sur place Garibaldi par Dantalouse au rue Sevin et Orion. Prenant une part active à l'amélioration de la sécurité routière. Depuis 2008, le nombre de papy et mamie trafic est passé de 128 à 228. La ville de Nice, qui accueille plus de 4,5 millions de visiteurs chaque année et de nombreux grands événements, la préparation des grands rassemblements est bien entendu essentielle. Si la sécurité est une responsabilité régalienne, elle concerne aussi les collectivités. Le maire est le pivot de la politique de prévention de la délinquance dans sa ville et à ce titre pilote le contrat local de sécurité. C'est dans le cadre de la convention de coordination signée entre le préfet et le maire que la coproduction de sécurité prend sa véritable dimension. Patrouilles communes, échanges quotidiens d'informations, transfert des images de vidéoprotection, formations assurées par la police nationale peuvent témoigner de la parfaite coopération et de l'excellent esprit qui existe à Nice entre la police nationale et la police municipale. Disposant d'effectifs importants, bien formés et désormais équipés d'outils performants et modernes, la police municipale est au service des Niçois 24 heures sur 24. Très étroitement coordonnée avec la police nationale sous les ordres de laquelle elle intervient en cas d'événement grave, la police municipale assure une présence rassurante et dissuasive sur l'ensemble du territoire communal au plus près des habitants et de nos visiteurs.
compétents et dévoués, les policiers municipaux bénéficient d'une estime forte et d'une réelle considération de la part de la population.